Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir pour la deuxième fois Lydia et Geneviève, qui joueront face à Eugénie et Maxime. Et c'est avec impatience que nous retrouvons Thierry Beccaro. Thierry! Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout va bien, que la journée a bien commencé. Eh bien, elle continue cette matinée avec Geneviève et Lydia dans les rôles principaux. Voilà. Ça va, Geneviève? Oui. Ça va, Lydia? Merci pour ce salut. Ça fait bien plaisir. Bon, alors Geneviève, elle ne s'en remet pas de la partie précédente. Elle me dit... Je m'en veux. Oh, mais de quoi? Parce que je n'ai pas bien joué. Oh, c'est quoi? C'était le mot pétochard qui a eu du mal à venir? Non, c'est pas ça. C'est que je voyais que j'arrivais pas à mettre les lettres où je voulais. Alors voilà, c'est ça. Mais, donc ça me permet de rappeler les règles de ce jeu, justement. C'est le principe. Mais oui. C'est de replacer les lettres au bon endroit. Et voilà. Bon, Geneviève, tout ça, c'est derrière. Oui. Voilà, on va se concentrer sur cette partie. Vous êtes avec Lydia. Vous formez une belle équipe. Ça va, Lydia? Très bien. En forme? En forme. Vous jouerez contre Eugénie et Maxime. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Eugénie, bonjour Maxime. D'où venez-vous tous les deux? Moi, je viens des Yvelines, un petit village qui s'appelle Croissy-sur-Seine. Enfin, une petite ville qui s'appelle Croissy-sur-Seine. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis correctrice. Alors, je suis correctrice pour la presse depuis 4-5 ans, principalement pour un magazine culinaire. D'accord. Et depuis mai dernier, je suis à mon compte également, parallèlement, et je travaille pour des maisons d'édition. Alors, donc, vous corrigez les coquilles, les fautes, ça, les non-sens. Mais c'est un sacré boulot, hein? Ouais. Mais passionnant. Ah ouais, ça doit être passionnant, absolument. Oui. C'est toujours bien accepté. Là, je ne parle pas des coquilles, mais des contresens et tout ça. L'auteur ou celui qui a écrit... Ça dépend des auteurs. Il y en a qui n'aiment pas trop qu'on touche à leur œuvre. Oui, mais ça ne va pas être facile, hein, parfois. Ouais, mais c'est intéressant. Il y a des égos un peu surdimensionnés. Donc, comme partout, sûrement. Mais c'est un contresens, monsieur. Vous ne pouvez pas dire ça. Bravo, merci d'être avec nous, Eugénie. Merci Maxime, vous. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je travaille comme ingénieur dans le secteur de l'aéronautique. Et vous êtes parisien, hein, c'est ça? Je ne suis pas originaire de Paris, mais je suis à Paris depuis 9 ans maintenant. D'accord. Voici pour commencer la partie, Eugénie, Maxime. Une grille. Le numéro magique, le voici, c'est le 51. Pour Lydia et Geneviève. L'idéal... ce serait de prendre le numéro 10. Voici le montant d'une jolie cagnotte aujourd'hui, Myriam. Effectivement, Thierry, elle est très jolie, cette cagnotte. Elle s'élève à 3000 euros. Eugénie, nous allons jouer avec des mots de... 8 lettres. Des mots de 8 lettres. Vous pouvez y aller, Eugénie. Merci. Bonne chance. Voici la lettre P. Pignouf. P-I-G-N-O-U-F-S. Pétoche. P-E-T-O-C-H-E-S. Prudence, P-R-U-D-E-N-C-E. Patapouf, P-A-T-A-P-O-U-F. Patronne, P-A-T-R-O-2-N-E. Bravo. Eugénie, vous mélangez. Merci. Le 43. Allez-y, Maxime. Le 57. À vous de jouer, Maxime. Vous allez jouer avec la lettre M. Un modulant. M-O-D-U-L-A-N-T. Mythique. M-Y-T-H-I-Q-U-E. Mondial, M-O-N-D-I-A-L-E. Ça surprend, hein, Maxime? On se dit, ah là 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 là, le temps passe. Eh oui. Alors Maxime, vous mélangez, s'il vous plaît. Allez-y. Le 21. Eugénie. Le 25.
Mais tout le monde, tu crois que j'en fais pas des erreurs, moi? Hein, pas souvent, mais bon. Là, je m'adressais à Olivier, c'est lui qui valide les mots. Alors, je le taquine de temps en temps. Enfin, c'est vrai que mondial, c'était pas bien compliqué. Franchement. Bon. Ça le fait. Ah, oui, il veut se venger à la fin de l'émission. D'accord. Eugénie, c'est à vous de jouer. Pitié. Grimpant, G-R-I-M-P-A-N-T. Gaspacho, G-A-S-P-A-C-H-O. Globule, G-L-O-B-U-L-E-S. Guignol, G-U-I-G-N-O-L-S. Gustatif, G-U-S-T-A-T-I-F. ...150 points pour vous, Eugénie. Mélanger. Le 41. Alors, vous prenez le 51, la belle diagonale qui rapporte 100 points. Le 69. Et pour arriver à 200 points, vous jouez, Maxime, s'il vous plaît, avec la lettre E. Élément, E-L-E-M-E-N-T-S. Ébaucher, E-B-A-U-C-H-E-R. Empêcher, E-M-P-E-C-H-E-S. Émeraude, E-M-E-R-A-U-D-E. De 100 points à présent, le 51 rapporte 100 points, le 3 également, Eugénie, allez-y. Mais sans le numéro magique. C'est maintenant qu'il faut marquer. Ah, Lydia, oui. C'est parti. Voici la lettre C. Coutume. C-O-U-T-U-M-E-S. Cassante. C-A-2-S-A-N-T-E. Calorie. C-A-L-O-R-I-E-S. Classique, C-L-A-2-S-I-Q-U-E. Ah. Ah ouais, c'est trop long, Geneviève. C'est trop long, malheureusement. Eugénie, voici la lettre bonus. Allez, je commence. Closerie, C-L-O-S-E-R-I-E. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Mais par déduction. On va demander à Myriam ce que ça veut dire, juste après le mélange. Oui. Allez-y, Eugénie. Le 45. Allez, Maxime. 51. 3, 61. Le 53. Alors, qu'est-ce qu'une closerie ? Alors, c'est une petite propriété entourée de murs ou de haies, donc close, mais aussi le nom donné à Paris au XIXe siècle à des jardins aménagés en bal public. Ah, c'est chouette. Voilà. La closerie des Lilas. Voilà. Entre autres. Maxime, vous jouez, s'il vous plaît, avec la lettre R. Rougeaud, R-O-U-G-E-A-U-D. Reproche, R-E-P-R-O-C-H-E. Repiquer, R-E-P-I-Q-U-E-R. Rugbyman, R-U-G-B-Y-M-A-N. Régence, R-E-G-E-N-C-E-S. Régalien, R-E-G-A-L-I-E-N. Là, ça se complique pour Lydia et Geneviève. 300 à rien pour l'instant. Maxime,
Allons-y pour le mélange. Le 37. Ah, ça se mérite, hein. Mais apparemment. Il faut y aller. Le 5. Ah, ça y est. Ça y est. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, là, à part bravo. Bon, une boule noire, mais sinon, c'est la partie de rêve. Geneviève, Lydia, qu'est-ce qu'on fait? On change les grilles, hein? On va changer les grilles. Et nous jouons juste après avec vous, Maxime. Bon, 400 points, ça me paraît bien, hein, pour l'instant. Lydia, Geneviève, vous avez compris ce que je n'ai pas dit. J'espère que vous aurez la main rapidement quand même, que vous pourrez marquer quelques points. Maxime, pour l'instant, c'est vous qui jouez. Avec la lettre B. Bamboche, B-A-M-B-O-C-H-E. Building, B-U-I-L-D-I-N-G. Bolivien, B-O-L-I-V-I-E-N. Breuvage, B-R-E-U-V-A-G-E. Allez-y, Eugénie. Oui. Servez-vous. Le 33. Maxime. Le 11. Il n'y a même pas, Lydia, même pas une petite boule noire, une... rien, non, pas non, d'hésitation. Rien du tout. C'est terrible. Maxime, si vous trouvez ce mot, ça fera 500 points. Allons-y. Distance, D-I-S-T-A-N-C-E. Défricher, D-E-F-R-I-C-H-E. Dumping, D-U-M-P-I-N-G-S. Discord, D-I-S-C-O-R-D-E. Voilà, vous voici avec 500 points et plus, avec un petit peu de chance, Eugénie. Le 39. Maxime. Le 17. Alors, 500 points, et c'est Maxime qui joue avec la lettre H. Habitant, H-A-B-I-T-A-N-T. Hochepo, H-O-C-H-E-P-O-T. Hébétude, H-E-B-E-T-U-D-E. Héberger, H-E-B-E-R-G-E-R. Allez, Eugénie. J'ai essayé de tirer une boule noire. Je vous dirai. Ben voilà. Ah. Et je vous garantis, hein, vous témoignez, je n'ai pas regardé le mélange. Hein, non, parce que je disais ça pour plaisanter. Bien évidemment. Mais bon, peut-être tomber sur une boule noire qui va permettre à Lydia de jouer enfin et de marquer. Voilà, j'y tiens. Variable, V-A-R-I-A-B-L-E. Vocation, V-O-C-A-T-I-O-N. Voiture, V-O-I-T-U-R-E-S. Oh là là. Vérifier, V-E-R-I-F-I-E-R. Oh. Bon, bah voilà. Eh oui, c'est 8 secondes, hein, ça passe vite. Eugénie, la lettre bonus. Regardez, c'est la lettre S. Version, V-E-R-S-I-O-N-S.
Alors, 600 points, Eugénie va mélanger. Le 1. Le 1. Alors, vous avez le 51 ou le 13 à disposition, Maxime. Le 55. Myriam, je vous écoute. C'est le dernier mot, Thierry. C'est le mot qui vous permettrait quand même de gagner la partie avec 700 points. Ce qui est quand même pas mal et assez rare. Maxime, c'est pour vous. Jacquard, J-A-C-Q-U-A-R-D. Bon, ça a été vite expédié, ce dernier mot, et vous avez 700 points. Eugénie, Maxime, bravo. Merci. Et ça, on ne peut pas, alors là, on ne peut pas ne pas applaudir encore plus fort Geneviève et Lydia. Bravo, merci beaucoup. Parce que vous avez été super et que vous avez gardé le sourire pendant tous ces moments un peu difficiles, parce que la partie dans ces cas-là doit paraître un peu longue. En tout cas, super, et vous avez bien mérité, regardez les cadeaux que voici. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Elinda, Geneviève, mesbagages.com, site de vente en ligne de bagages, vous offre aussi cette élégante valise et son vanity case d'assortie. Bon voyage avec mes bagages. Regardez les bagages. J'ai déjà acheté les valises, je pense. Alors, quand on vous offre les valises, il ne faut pas le prendre mal. Hein. Ce n'est pas qu'on est pressé de vouloir repartir. Si vous m'avez regardé bizarrement, genre... Alors, les valises sont prêtes, elles sont à la sortie du studio. Oui. Bon, vous avez beaucoup d'amis, j'en suis sûr, là où vous êtes, oui. En Haute-Corse. Oui, mais j'en ai même à Paris. Hein. C'est pas vrai? Ah non, oui. Alors que moi, j'en ai pas mal à Paris, mais j'en ai très peu en Haute-Corse. Ah bon? Ça n'a aucun intérêt, hein. Je vous le dis tout de suite. Embrassez qui vous voulez. Voilà, je vais embrasser mes amis de Corse, avec qui je joue à la belote, ça c'est sûr. D'accord. Je vais embrasser spécialement Michel et Jocelyne. Bon, ça c'est fait. Et puis, je vais embrasser Stéphanie et Pierre à Neuilly-Plaisance, l'ami qui m'a logé le temps que j'étais à Paris, avant que je sois chez elle, qui s'appelle Anne. Et voilà, je fais des bisous à tous ceux qui me connaissent, mes enfants, mon mari, tout le monde. Je laisse les clés du studio. Vous éteignez en repartant. Oui. Hein, je compte sur oui. Vous. Et vous êtes super, Lydia. Vous avez logé. Oui. Bah, oui. Bah, attendez, mais non, mais elles se connaissaient si à peine peut. Avant de. On s'était connaissait pas du tout. Eh ben, c'est génial. Lydia, rapidement, avant que je passe à la super partie. Moi, juste un coucou à mes bébés, Ethan et Gabriel. Bon, voilà. C'est génial. Revenez vite nous voir, toutes les deux. On va essayer. Ensemble. Voilà. Allez, c'est fini. On oublie tout ça? Oui. Et on passe à la super partie. À tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus@france-tv.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le jeudi 28 février au Mans, le 1er à Angers, le 2 à Nantes, mais aussi le 16 à Paris. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur www.france.tv, rubrique Motus. Nous avons assisté à une très, très belle première partie. Eugénie, Maxime, bravo. 700 points, c'est rare. Bon, 3000 euros, c'est pas mal non plus. Mm-hmm. C'est ce que vous gagnerez si vous trouvez 10 mots de 8 lettres en 4 minutes et 30 secondes. Merci. On va essayer. Solfège, S-O-L-F-E-G-E-S. Solution, S-O-L-U-T-I-O-N. Solitude, S-O-L-I-T-U-D-E. Giboulet, G-I-B-O-U-L-2-E. Pignouf, P-I-G-N-O-U-F-S. Pamphlet, P-A-M-P-H-L-E-T. Peuplade, P-E-U-P-L-A-D-E.
Myrtille, M-Y-R-T-I-2-L-E. Morbide, M-O-R-B-I-D-E-S. Manchot, M-A-N-C-H-O-T-S. Marathon, M-A-R-A-T-H-O-N. Hérédité, H-E-R-E-D-I-T-E. Bien joué. Flamiche, F-L-A-M-I-C-H-E. Fugitif, F-U-G-I-T-I-F-S. Furibond, F-U-R-I-B-O-N-D. Football. F2OT, BA2L. Rajouter, R-A-J-O-U-T-E-R. Chambre, C-H-A-M-B-R-E-S. Cognitif, C-O-G-N-I-T-I-F. Cyclique, C-Y-C-L-I-Q-U-E. Cerceau, C-E-R-C-E-A-U-X. Cervelas, C-E-R-V-E-L-A-S. Ébauché, E-B-A-U-C-H-E-R. Esbrouf, E-S-B-R-O-U-F-E. Joli. Bazarder, B-A-Z-A-R-D-E-R. Blizzard, B-L-I-2-Z-A-R-D. Magnifique, très très belle, super partie. Merci. Qui vous permet de gagner déjà 3000 euros. Et il vous reste 50 secondes pour gagner 1000 euros de plus. Vous allez essayer de trouver le 11e mot que voici. Doublon, D-O-U-B-L-O-N-S. Domptage, D-O-M-P-T-A-G-E. Diabolo, D-I-A-B-O-L-O-S. Défricher, D-E-F-R-I-C-H-E. Direct, D-I-R-E-C-T-E-S. Là-bas. Oh, magnifique. Oh, c'est dur. Ouais. Ah, ah. Ouais, pas d'applaudissements, rien. Bah. Alors, mais c'est quelque chose. Il y a des applaudissements pour Eugénie et Maxime. Moi, je me suis mis dans le. Je me mets dans l'eau. Nous avons gagné, vous avez gagné, Eugénie Maxime, 3000 euros. Et vous revenez. Et vous revenez, bravo. Vous revenez pour une prochaine émission. J'espère que vous serez des nôtres. Vous partagerez ce moment. Bah, on essaie de vous apporter un petit peu de bonne humeur, du plaisir. Voilà, simple plaisir de jouer avec vous. À la prochaine fois. Merci beaucoup.